Salut, oui, salut, j'espère que vous allez tous très bien et que votre journée se passe bien ou qu'elle s'est bien passée et que cette soirée se passera très bien également. Et aujourd'hui, oui, nous rejoignons à phobosdere.gb. Continue. Parfait, ça me remet exactement là où j'en étais. J'ai pris une version démo d'un émulateur sur Android, donc j'avais peur que je puisse pas sauvegarder. Je peux pas sauvegarder avec l'émulateur, mais je peux sauvegarder dans le jeu. Donc. Voilà. Et en tout cas, oui, du coup, nous retrouvons directement là où nous nous étions arrêtés. Et aussi, oui, vous l'avez sans doute remarqué, mais ce fond, c'est normalement celui que j'utilise pour Nice Device. Donc, vous vous attendez à ce que je ferai après. Mais j'attends le fait d'avoir ma manette pro Nintendo Switch, que j'ai eu en réduc, dans une forme très particulière, vu que c'est une spéciale normalement. Mais vous verrez ça dans la vidéo dédiée Nice Device. Et justement, oui. Là, j'ai fini mes partiels et normalement j'aurai peut-être des rattrapages. Mais en attendant, du coup, comme je ne sais pas sur quoi je devrais réviser ni rien, j'en profite pour vous faire cette nouvelle vague de vidéos qui seront donc il y aura une première partie où ça sera la fin de phobosdere.jb et le reste, normalement, ça devrait être Nice Device. Et si j'ai bien compris, selon une amie, oui, je jouerai peut-être à Pop Goes Arcade Deluxe édition sur Steam. Mais bon, à voir ce que ça vaut, parce que pour l'instant, justement, j'ai fini le Prefazer Vanverse Initiative avec 20 épisodes avec Afton Built. Maintenant, faut voir ce que ça serait le vrai Fanverse Initiative, pardon. Donc oui, là, j'en ai déjà fait 3 épisodes en soi dans le Mew. Mais justement, ici, ça serait de vrais épisodes. Et oui, je ne porte pas mes lunettes. Mais bon, toujours là au moins la qualité est mieux. Je me disais, même si je fais pas de Nice Device, ici c'est de bien meilleure qualité. Bref, arrêtons l'intro, j'ai même lancé déjà le jeu, donc j'arrête de parler. Lançons. Sarah K. Ah, Cake Shop. Je suis un connard. Ok, Madame Glitch. Ah, bienvenue à Sarah, c'est tout? Vraiment, tu glitches sa race. Et tu me dis que ça? D'accord. Nivi Sushi. Et là, il y a un chat. Miaou. Miaou, miaou. 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 Pardon. Pet ce cat. Oh, c'est mignon. Oh, il ronronne. C'est réaliste. Ce jeu est réaliste. Je veux rien savoir dire. C'est fermé. C'est fermé. Ok. Ah, un bout de papier, ok. C'est un vieux bout de papier. Ouais, super, merci. Ah, Proto de Ré, ok, point NES. 1985, c'est... Ok, oui. Ok. Oh! Ça rajoute du canon. Parce que là, ça parle de Proto de Ré et ça parle des conséquences de Proto de Ré. Ah ouais! Ah ouais, d'accord, ok, ça continue bien. Bel et bien son histoire. C'est toujours autant fermé ici. Il y a toujours le chat. Bien sûr qu'on va le caresser. Il va nous aider à la fin, vous allez voir. Il est un élément très principal, pardon. C'est un fusil de Tchekhov. Absolument pas, j'en sais rien du tout. Ah mais lui on ne lui a pas parlé en fait. Oui tu es là parce que tu perdais quoi? Tu ne sais pas réellement où tu vas, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas. Mais lui il brise le quatrième mur, là il vient littéralement de me dire, oui tu peux me parler si t'es perdu, c'est bien ton cas, etc. Et après il me dit, ouais, peut-être que je te l'ai déjà dit, mais voilà. Ok, écoute bien. D'accord, ok, très bizarre ce qu'il dit. Parce que si rencontrer l'amour, c'est être avec lui. Hein. Voilà, sauvegarde. Par contre, il n'y a aucun autre son, c'est perturbant. Quoi? Mais attends, c'est pas déjà toi?
Attends, si je t'en... Ah! Le visage vient de changer là, on est d'accord. Ouh. Pardon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne. Excusez-moi, une petite pause, voilà. J'espère que j'ai pas dérangé. Ok. D'accord, merci. Et du coup, là, je peux le donner à l'autre. Ah, super. Ok, il faut vraiment que je fasse des allers-retours. En fait, c'est comme la vie active, ce jeu, c'est terrible. Tu te fous de ma gueule? Je t'ai caressé plusieurs fois, sale chat. Ouais, c'est le seul truc qui me marque. Le fait qu'il parle. Ok. D'accord, donc ouais, il fallait vraiment faire. Allez, tu vois là. C'est vraiment. Ça allait faire tout ça, c'est les retours, en fait. Ça va, c'est pas long, mais quand même. Bah. Allez, mine. Sarah Jettner est dans le jeu. D'accord, ok. Très bien. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est en 92 du coup. Mais quoi? Ah, ça rappelle très proto des rien. Oui, ça fait très proto des rien. Okay. Ah, ça me rappelle plus du tout pour Toderé. Ça me rappelle plus d'Erexé. D'accord. Ouais, ça me rappelle vraiment d'Erexé. Niveau de la colorimétrie, bien sûr. Ok, donc là, on imagine que c'est pour le. Ok. Je suis vraiment allé en mode OSEF. Hein, vraiment, il y avait un ennemi, OSEF. Alors, on sauvegarde ici. Tac, salut! Ok, parfait. J'imagine que c'est fermé, ouais, il nous faut une clé. Donc là, on va prendre
On aura une sauvegarde et après on va devoir prendre un clé. Ah non, là, ok, salut. D'accord. Ah, là, il y a bel et bien une sauvegarde. Non, ne tombe pas. Rottenstein. J'ai failli crever là, hein, vraiment. Je suis pas mort par pure chance. On va encore sauvegarder, bien sûr. Voilà. Ouais, mais ça va être. C'est la folie des sauvegardes, non? Voilà, ça va s'appeler l'épisode de la sauvegarde. Rien à faire. Oui, ça, fallait que je m'y attende. Vite. Ah zut. Ah, c'est pas très maniable. Hein. Après, c'est pas le jeu qui n'est pas bien maniable. Je peux pas dire ça en soi. Parce que c'est moi qui ai choisi l'émulateur et tout ce bordel. Donc peut-être qu'il y a des émulateurs plus maniables et tout ce bordel. Mais ça va, c'est pas incontrôlable, faut pas déconner, mais c'est pas très agréable. Après aussi, c'est tellement mieux de jouer avec un truc physique, tu mets. Je sais pas, puisque je n'ai jamais joué à ce jeu sur une vraie Game Boy. Donc je peux pas vraiment dire, peut-être que c'est vraiment mieux comme ça. Ça paraît très bizarre que t'es vraiment un jeu où c'est tellement mieux. Sur un truc et pas le reste. Quand je dis un truc, c'est le support matérialisé ici. Ah, zut. En tout cas, il faut que je trouve un moyen aussi de l'esquiver, c'est ça le truc. Ce que je veux dire, c'est l'emmener quelque part, voilà. C'est bizarre, il y a des moments où il s'arrête. Je connais pas, j'arrive pas à comprendre son pattern. Je pense qu'il faudrait ça déjà, comprendre son pattern. D'accord, ok, j'ai récupéré un truc et je suis quand même mort. Zut. En tout cas, j'ai compris que là, je pouvais faire directement un double saut pour y aller. Donc, c'est pas plus mal. Zut.
Parfait. Voilà, c'est bon. Il m'a fallu quelques coups, mais ça va. Hein, quoi? Ah, ok. Ça n'a aucun sens, mais ok. Donc ça, c'est pas bon. Au moins, j'en ai eu, je sais pas du tout à quoi il va servir. Attends, c'est vrai ça? Ah ok oui, ok non je suis con. Et voilà, ça c'était sûr. Pourquoi quand je fais involontairement je meurs pas, là quand je... Oui, quand je fais volontairement... Non, je raconte n'importe quoi. Donc là, il faudrait de l'explosion, ok. De la dynamite plutôt, du coup. Wait. Blaze Day, ok. Ah non, c'est tout, ok. Je pensais que, comme tu étais très particulière, peut-être que tu allais me dire un truc, mais non. C'est vraiment la journée de la sauvegarde. Ah, fallait bien faire le. J'ai vraiment fait dans le bon ordre. Alors j'ai vraiment fait au pif et j'ai fait dans le bon ordre. Ok, ouais. C'est ça, là il faudrait de la TNT. Ouais, il faut toujours une clé ici. Oui, ok. Mince. Si je fais n'importe quoi aussi. Ouais, donc là c'est ça. Ah, ok, donc oui, on se retrouve. Ok, je reconnais seulement le champ. Viens d'y repenser, du coup, ouais, c'est là. Et après, là, je remontais. Ok. Non, là j'ai fait n'importe quoi, mais ok. Si je vais assez vite, en fait, il n'arrive plus à me rattraper. Je fais ça. Oh, vite. Non, ok. Apparemment, c'est juste qu'il me suit, mais c'est juste qu'il a un temps. Il y a un moment, il en a ras-le-bol parce qu'il a trop couru, donc il s'essouffle. Il m'a touché, zut. Non, pile à la fin, quel dommage.
Là, il est où? Ah zut. Mais en tout cas, j'ai trouvé un bon truc. Je le mets tout en bas et après, ça peut régler le problème. Parce que je vais beaucoup plus vite que lui. Surtout au début, en fait. Voilà, j'ai tout. Oula, oui, c'est bon, j'ai utilisé un peu. Rassure-moi. Ok, j'ai juste. Bon, ça c'est bizarre, mais heureusement, parce que du coup, ça me fait que j'ai pas de problème. Le Trinémésis, merde. D'accord. Bon, bah là, je pense que j'ai sauvegardé parce que c'est un bon moment pour arrêter. Non, faut pas que je crève. Non, non, s'il te plaît. Voilà, je vais sauvegarder là, alors que je sais qu'il y a un truc en bas. Je vais aller au truc en bas et après je vais sauvegarder et après j'arrête l'épisode d'aujourd'hui parce que là c'est un gros truc. Oui. Ah non, d'accord, ok, c'est un bon gros truc. Encore plus gros truc que je ne l'aurais cru. Ouais, donc je vais m'arrêter là. J'ai sauvegardé en haut, donc s'il y a un truc de sauvegarde qui serait plus haut par rapport à cette fin, ce n'est pas grave, c'est logique, si vous l'avez compris. Voilà, en tout cas, moi je m'arrête là. Oui, cette vidéo sera encore assez courte par rapport à cet épisode. J'espère que je ne ferai pas trop d'épisodes non plus, parce que ce temps-là me convient complètement par rapport à tout ça. Je vous dis quand même au revoir, merci de m'avoir suivi. Cette histoire semble encore une fois très palpitante, et j'espère qu'elle vous plaira également. Et moi, je vous dis au revoir. Et du coup, bah, à la prochaine vidéo. Et oui, moi là, par rapport au Mew, je ne connais pas les dates. Bye! Salut, petit aparté. Comme vous pouvez le voir dans cette image faite pour les petits apartés, vous pouvez y voir Phobos-Zérépan-GB, vous pouvez également y voir Popgoz Arcade et Minecraft. Et donc, je vais résumer tout ça. À partir du 2 août, il y aura le lundi, le mercredi et le vendredi un épisode des trois séries que justement vous pouvez voir sur cette image. C'est-à-dire la suite de Phobos-Zérépan-GB, la suite de Popgoz Arcade et le commencement de la série Minecraft. Je vais résumer rapidement ce que c'est. Que ce soit pour Phobos-Zérépan-GB ou Popgoz Arcade, ce sera la suite et la fin, j'espère, des séries que vous avez pu voir justement ici, que j'ai déjà débuté. Et pour Minecraft, c'est la découverte pour personnel de la 1.17, la 1.18 et la 1.19. Voilà, j'espère que ça vous plaira et tout ça commence à partir du 2 août. Allez, merci de m'avoir écouté et au 2 août, bye!